Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Zone d'astuces, nous allons voir comment changer un background dans un dossier spécifique. Donc, pour commencer, on va aller télécharger un petit logiciel que je vais vous mettre le lien soit dans la description de du vidéo sur YouTube ou dans l'article sur Zone d'astuces. Donc, pour moi, j'ai déjà téléchargé le logiciel. Donc, je vais l'exécuter. Ok. Premièrement, moi, je vais aller chercher une image sur Google. Donc, attendez. Ok, parfait. Donc, je vais chercher une image. Je vais juste la mettre de côté. Parfait. Bon. Une image de Ferrari, par exemple. Voilà. Donc, on va aller chercher une belle image de Ferrari. Bon, par exemple, celle-là. Donc, je vais la télécharger. Je vais la mettre sur mon bureau. On peut fermer ceci. Donc, on va aller choisir un dossier qu'on veut changer le background. Donc, par exemple, je vais créer un dossier ici. Mettons, je sais pas si. Ok, parfait. Donc, choisir zone et astuces. Nous allons changer le background. Donc, je vais aller chercher l'image que je viens de télécharger. Et voilà. Donc, c'est sûr que l'image est un peu trop grande pour la taille de ma fenêtre. Je vais juste le mettre de côté et le mettre en plein écran. Ou peu importe. Juste le mettre à la taille de l'image. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même assez bien. L'image n'est pas non plus très très belle, mais ça devrait faire. Donc, c'est quand même très simple à changer avec ce programme-là. Je vais juste le remettre ici. Si vous voulez enlever l'image, c'est très très simple. Faites Remove Background Image. Et je vais juste voir si cela a marché. Et oui. Donc, c'est très très simple. Donc, c'est ceci qui termine mon vidéo. À la prochaine, tout le monde.